Salut à tous et à tous, ici Mister Wouhou. Aujourd'hui, nous allons parler de Voice Mode. Donc, c'est un logiciel de... c'est un changeur de voix, tout simplement. Le truc, c'est qu'au début, je voulais faire une vidéo avec OBS, en fait, tout simplement. Mais le problème, c'est que OBS ne gère pas correctement ce que je veux. Donc, c'est mort. C'est complètement mort. Il veut pas quoi, il fonctionne hyper mal, ça déconne, tout simplement. Donc en fait ici, je vais vous expliquer comment fonctionne le logiciel tout simplement. Donc c'est un logiciel qui est gratuit de base, je veux dire, tout n'est pas gratuit, attention, il y a une version premium. Mais vous avez déjà pas mal de trucs pour vous amuser. Donc, on commence. Ici, on est sur la version clean. Attention à ne pas confondre. Il y a quand même quelque chose. Il y a un traitement. Il y a quelque chose. Écoutez bien quand je vais chanter. Voyez, il y a en effet de l'autotune. Oui. L'autotune, ça s'appelle chez eux intelligible. Et du coup, c'est à 85%. Donc attention. Et du coup, il y a une modification de grave, médium et aigu. C'est pour ça que vous aurez une voix plus quali. Enfin, il y aura un mélange de robotisation à ce niveau-là. Et c'est ce que je trouve ça marrant, du coup. Parce que c'est stylé, quoi. C'est fun. C'est complètement fun, c'est dingue, c'est complètement dingue. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour le premier, la version clean. Alors du coup la vidéo elle sera faite autrement que avec OBS, parce qu'avec OBS en fait j'ai essayé de faire une vidéo mais OBS a merdé complètement. Je vous explique. Je démarre OBS pour vous faire cette vidéo avec le visuel en 720p 30 fps. Ça grésille à mort. Je pense c'est parce qu'il supporte pas, il n'arrive pas à gérer avec VoiceMeter, c'est trop dur pour lui, j'ai un PC trop vieux. Donc du coup, je devrais dire à mon pote d'ailleurs, du coup ça marchera pas du tout pour lui non plus. Du coup j'arrête le truc, le logiciel. Et il veut pas. Il veut pas s'arrêter. Donc du coup j'ai dû forcer OBS. J'ai dû le killer dans les gestionnaires de tâches pour qu'il parte parce que ce con ne voulait pas partir. Donc, si vous avez un PC de merde, laissez tomber. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise Audacity pour l'enregistrement audio. Et là, du coup, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun souci. Mais c'est seulement là, en fait. Mais sinon, ça ne marche pas. Donc, du coup, je vous montre les modes qu'on a. Donc, je vais vous expliquer plusieurs trucs. En fait, au début, vous avez le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 icônes de changement de voix. Et si vous partagez, à côté, à la fin, vous avez un truc verrouillé. Si c'est la première fois que vous installez le logiciel, hein, normalement, vous avez ça, vous avez un... À la fin, la dernière icône, il y a un cadenas. Eh ben, en fait, il suffit de partager sur Facebook ou Twitter et ça va vous débloquer un deuxième truc de changement de voix qui est la Woman. Donc, Manto Woman 2. Après, je ne sais pas si c'est ça par défaut, si c'est aléatoire ou pas. En tout cas, moi, j'ai eu celle-là. Je la trouve sympa. Pourquoi pas? C'est un peu cucuche, mais c'est rigolo. Donc voilà, c'est cette version-là, moi j'ai eu en tout cas en l'ayant débloqué. Donc en tout, on a modifié. Enfin, je dis 8 parce qu'en fait, pour moi, la clean, elle est modifiée aussi. Elle est améliorée. Ça permet de faire du chant en studio plus propre parce que du coup, il y a l'autotune qui suit ta voix et du coup, ça permet de faire
Mieux. Si je vous chante une musique genre. Attendez. J'ai longtemps parcouru ton corps. Pardon. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois j'ai dessine encore et fait partie de moi. Vous voyez, ça s'y prête bien hein, pour d'autotune. Parce qu'il y a des autotunes en plus, bien sûr. Donc, après, ça se remarque pas non plus à 100% de la mort qui tue. Enfin, si, comme dans un. Comment on appelle? Comme dans une série, quoi, dans un clip vidéo, quoi. Donc voilà. Excusez-moi. 2 secondes. Re. Donc j'avais un souci. Et encore, je l'ai un peu encore. Bon, soit. C'est un souci de chaîne à la gorge. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que je vais vous expliquer? Ah ben en fait, c'est de l'autotune, tout simplement. Hein. C'est de l'autotune, de la simple autotune. Et vous pouvez modifier vos voix, votre voix à volonté. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel sans payer déjà. C'est déjà pas mal, je trouve. Ça peut permettre des choses. Je mettrai au pire dans la avec la vidéo un screenshot en fait où vous voyez en fait le logiciel et voilà quoi. Et vous devrez vous référer au moment où je dis les noms. Je dirai les noms un peu ce qu'il y a, mais il n'y aura pas de curseur ni rien. Ça va vous débrouiller. Vous n'êtes pas teubé non plus. Donc voilà. Attendez parce que j'ai un souci encore. Enfin, vous ça passe vite, mais moi non. Voilà. C'est réglé. Bon voilà. Donc ce qui se passe, c'est que tout simplement, il y a plusieurs trucs. Du coup, vous en avez 8 si vous avez fait ce que j'ai dit. C'est pas compliqué, hein, c'est partagé soit sur Twitter ou Facebook. Je sais pas si c'est les mêmes trucs que vous aurez, mais bon voilà. C'est peut-être random, j'en sais rien. Donc, on va commencer par le premier, c'est Tepan. Donc le premier, c'est le Rasta, le mec avec les lunettes là, avec des cheveux bouclés. Donc celui-là à côté de Clean. Attention, j'appuie. Voilà. Là, vous avez une version de Rasta. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ah ben, vous avez une voix un peu comique sur cette style de voix. Ça s'entend bien que c'est de l'autotune, hein. C'est santé dans ma vie de wouwou coquin. Des wouwou. Voyez? Et il y a là la musique avec celle-ci. Et du coup, vous pouvez chanter, regardez, ça fait ça. Quand moi je chante, ça m'entraîne comme ça, regardez. On va vous faire une petite humoristique, enfin un petit délire. Allez, top! Wouhou musique, saucisse grillée pour tous. N'importe quoi.
Allez, dernière. Est-ce que c'est rigolo? Je suis tombé, transformé en voilà. Donc, vous avez, ça, c'est la version, comme je vous ai dit, la version Tepin, donc T-P-A-I-N, avec le logo Rasta, avec un chapeau de des lunettes rouges, un chapeau, allez, comment on appelle ça, un chapeau. Il est même en surbrillance jaune avec news. Je dis bien ça parce que moi, je vais vous mettre un screenshot fixe, en fait, de ça. Et du coup, il faut bien que vous sachiez de quoi je parle au moment où, où je vous dis ça, vous comprenez. Donc, c'est important pour moi de bien préciser ce que je dis, tout simplement. C'est très important. Donc, maintenant, on va passer sur Baby. Voilà, là on est sur Babi, donc B-A-B-I, correct. Non, pardon, je recommence, B-A-B-I, donc c'est Babi, Baby. Donc là, c'est une tête de bébé sur un fond bleu kaki, donc un feu bleu un peu à la 3DS, comment on appelle ça? Turquoise, voilà, un fond bleu plus ou moins turquoise. Et du coup, bah voilà, c'est le bébé, hein, vous voyez un peu le style de voix. Il faut prendre en compte que vous ne pouvez pas modifier les voix gratuites. Donc c'est normal, hein, parce que c'est une version gratuite, donc vous ne pouvez pas modifier les voix. Elles sont comme ça par défaut, vous ne pouvez pas modifier l'auteur, attendez. Vous pouvez pas modifier l'intelligible non plus, donc c'est de l'autotune. Ça, il faut pas chercher, c'est de l'autotune. C'est de l'autotune. Le mixage. Ça, je sais pas toujours qu'est-ce que ça veut dire réellement, parce que c'est peut-être un détachage avec la voix, je sais pas. Et volume de voix. Donc ça, c'est au niveau de la voix, au niveau de puissance, au niveau d'auteur de la voix, je présume. Donc, on va passer au suivant. Le suivant, c'est Block. Donc, Block, c'est un que j'aime bien. Donc, voilà, c'est une que j'aime bien. Allez, on passe dessus. Voilà, c'est celle-là. Donc, c'est Tetris. Hein. B-L-O-C-K-S. Block. Et du coup, le principe de celui-ci, c'est que ça modifie à fois constamment les notes. Et ça fait un Tetris, quoi. Et en fait, la technique, c'est ça, regardez. On va repasser sur la version normale. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne ce donc B-O-L-O-C-K. Donc, bloc. C'est où vous voyez un cube Tetris. C'est pas un Cubix machin, moi je croyais que c'était Cubix aussi, mais non, c'est Tetris. Donc en fait, quand je fais constamment comme ça, en constant, en fait ça va constamment modifier les hauteurs de ma voix. Regardez, je vais vous montrer en passant de l'un à l'autre. Hein. Attention, 3, 2, 1. Il y a une limite quand même. Voilà, vous voyez, j'ai juste fait pareil là. Hein. Et du coup, en fait, ça fait tout seul la modification, en fait. Et c'est ça qui est rigolo, en fait, ce qui est fun. Il y a quoi d'autre? Donc maintenant, après, vous avez cave. Donc avec la roche, la caverne. Donc C-A-V-E. Cave. Donc... Donc du coup, on appuie dessus. Et du coup, vous vous en doutez, on se trouve dans le fou du cul du monde. Enfin, soit.
Peu importe, ma blague de mer est tombée à l'eau. Donc vous avez de l'eau... Ah mon dieu, des fantômes. Ah. Voilà. Du coup, vous avez des... Ben voilà, quoi, c'est... Ça résonne. Après, on peut aussi faire version église. Bien sûr, vous pouvez retirer l'effet d'ambiance, parce que, oui, jusqu'à maintenant, vous avez remarqué, il n'y a rien qui est modifiable, à part l'effet d'ambiance pour certains. Pour T-Pen, donc le premier à côté de Clean, le Rasta, là, que je sais pas comment on appelle ces gens-là, hein, on s'en fout. Eh ben, en fait, le monsieur style de la coke, c'est de la bonne, quoi. Vous avez l'effet ambiance qui est pas grisé, parce que le reste c'est grisé, réverbération, intelligible, mix et volume de voix, c'est mixé, de la voix pardon, pas de voix, c'est mixé, c'est grisé, parce que vous pouvez pas modifier, si vous appuyez dessus, ben ça va vous envoyer sur la, le truc premium. D'ailleurs, je vais vous expliquer à la fin combien ça coûte, etc. Mais après. Ici, tout ce que je vous montre, c'est gratuit à vie, il me semble. Enfin, je pense, il me semble que oui. Mais peut-être que je me trompe. Je vous tiendrai au courant dans les jours qui suivent parce que je vais l'utiliser beaucoup sur le logiciel. Même si je vais l'acheter la semaine prochaine, la licence à vie. C'est 32 euros pour avoir une licence à vie. Ouais, j'arrête pas d'avoir des problèmes de chat à la gorge, ça m'énerve. Je lui ai dit d'arrêter, hein, mais il me casse les couilles. Bon, alors, je vous explique rapidement. Du coup, ici, on va passer sur Magic Shard. Shard ou Shard, je sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est M-A-J-I-C espace C-H-O-R-D-S. Donc, c'est les notes de musique, tout simplement. Hein, les notes de musique. Notes de musique. Notes de musique. Allez, on passe dessus. C'est le même principe que Block, en fait. Hein. C'est juste que c'est un peu différent, un peu moins séquencé, mais c'est la même chose. C'est un peu moins rapide au niveau de la séquence, mais ça fait aussi un changement de son. On va le regarder. Et du coup, ça, je vais l'utiliser pour faire de la musique, comme avec le T-Pen. Je vais faire pareil. Ces deux-là, je vais les utiliser pour faire des clips musicaux. Voilà, on est sur Magic Shard. Magic Shard, je sais pas comment on le prononce, mais on s'en bat les couilles. Voilà, comme vous voyez, ma voix change tout le temps. C'est un truc qui fait... Comme vous dit la technique pour voir qu'est-ce que c'est la vraie mélodie, vous faites A, B, C, D, U, F, B. J'appelle les F, B. Bande de toutes russes, saucisses, grillées. Pour tous. Voilà, comme vous voyez, c'est fun, hein. Mais par contre, vous pouvez pas forcément faire tout ce que vous voulez avec cette musique parce que ben elle est déjà pré-réglée comme Tetris donc comme Block. Du coup, vous pouvez pas faire une autre musique parce que regardez, si j'essaie de faire une musique, j'ai pas d'idée. Allez, du Britney Spears pour le lol. Baby, and turn a sign. Penny, baby, and turn a sign. Attendez, je retire le casque, sinon je m'en sors pas. Baby, and turn aside, and until a man in time could it on this day, on our way, na-na-na-na, and it... Voilà, bon, vous voyez, baby, ben voilà, vous voyez, c'est ça, modifie selon lui, choisi, et ça sera toujours une musique, ben voilà, vous avez compris la couille. Donc du coup, vous pouvez pas vous même choisir. Par contre, tes peines... Celui-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Moi, celui-là, j'aime bien juste retirer la réverbération. Pour le reste, c'est à voir, ça peut peut-être rester. Mais la réverbération m'intéresse pas. Donc celui-là, vous pouvez faire plusieurs tonations. Donc on est sur de retour le Rasta, là, le Rasta et monsieur.
J'appelle ça Rasta parce que j'ai pas d'idée. Rasta ou Moeman, viens, j'ai de la bonne pour toi. Voilà. Et du coup, on a l'impression que la personne chante super bien, mais en fait, pas du tout. C'est le principe de l'autotune, parce que c'est de l'autotune à max. Là, l'autotune est au maximum qu'il peut être. Il est à donf, tout simplement. Et du coup, ben, ça fait ça. Peut-être pas qu'il y a donf d'Atégie, délai. Ouais, c'est... Oh, c'est du pré-modification de leur part, en fait. Hein. C'est... Voyez, on peut te faire tenter de faire Baby Bay, aren't you on the line? Stand inside, this all the time. Would I be on my side? Ouais, c'est pas facile parce que ça fait un peu de la modification de voix. Il y a des notes qui ne sont pas pris en compte, et du coup ça fait bizarre. Voilà. Donc, on va passer sur Mantomen. On va prendre une autre voix, excusez-moi. On va passer sur Manto Woman 2. Donc, c'est Manto Woman 2. Voilà. Bon, vous vous en doutez, c'est une voix de femme. Excusez-moi. C'est une voix de femme. Oh putain, ça me casse encore le pied. Deux secondes. J'ai des problèmes de gorge. C'est bon. Ça commence sérieusement à m'agacer. J'ai envie de l'arracher ma gorge. MDR, XPTDR, DRDR. Comme vous trouvez, un ou mort. Voilà, c'est toi, ou mort. Un ou tout doux mort. Parce que c'est tué. Bah logique, si tu t'arraches ta gorge, tu meurs. Bon, à part partir dans le morbide, retournons au monde des WFB, merveille, merveille. Un WFB, un WFB. Voilà, tout doux, tout poilu, tout tchoum de la secte Tchoum Tchoum Mania. Oui, ça fait peur. Donc, ça fait très peur. Donc voilà, vous voyez un peu le style de voix que ça utilise, c'est Man to Woman, donc c'est homme et femme 2. Est-ce que ça veut dire que c'est un homme et une femme qui parlent en même temps? J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plus penser à une femme. En fait, je présume que le mec qui est derrière, c'est lui qui parle et la voix de femme passe au-dessus puisque c'est ça qui est mis. Mais pourquoi ils ont mis un mec Ils auraient pu mettre juste une femme comme le bébé? Ouais, je sais pas. J'ai pas compris. Mais du coup, ça peut être utile pour un sketch, genre « Les enfants, venez, c'est l'heure à table !»« Oui, maman, j'arrive !» Oui, j'ai passé trop vite. « Les enfants, venez à table, c'est l'heure, venez manger !»« Oui, maman, j'arrive, je termine mon jeu !» Allez les enfants, il faut manger, hein, c'est important. Donc là, on passe sur la dernière, le dernier truc de modification de voix, un de mes préférés. Parce que, en fait, vous avez Horizon, Gull et Defecator qui l'utilisent. Donc Defecator officiel et Horizon Gull qui l'utilisent. Donc c'est Social Hacking Defecator. Et du coup, voilà, ils utilisent ce genre de style de voix de base pour faire leur voix, et c'est fun, j'ai toujours trouvé ça très marrant, cette voix-là. C'est genre, surtout quand ils commencent, Defecator, quand ils commencent à faire « Oui, mais, c'est comme ça, tu fais la malade, tu arrêtes de dire ça, non. » Stop maintenant, nous allons déféquer. Salut, bonjour, c'est Defecator. Aujourd'hui, nous allons déféquer des choses. Voilà.
Après, Gus, c'est plus... Bah, en fait, sa voix, ça se rapproche plus peut-être de Defecator que Gul. Parce que Gul, je pense qu'elle est plus modifiée. Enfin, je sais pas, en fait, c'est pas la voix comme ça à l'origine à 100%. Hein. Il y a du grave qui est ajouté en plus, je pense, ou autre chose. Mais en tout cas, il y a une modification en plus. Parce qu'en fait, quand vous avez cité la version premium, donc on va parler avec cette voix pour la version premium parce que c'est fun. Alors, là, je vais vous faire un autre screenshot pour vous, pour la version premium. Donc vous aurez deux screenshots au moment où de passe à l'un à l'autre. Donc, ça ne change rien pour vous. Vous aurez ce screenshot sans aucun problème. Sans saucisse grillée pour tous. Attendez, je déplace juste celui-ci pour l'avoir dans les... sous mon bureau pour faire après que quand je fais mon montage sur ma vidéo, je l'ai et que je galère pas. Alors, là, normalement, si tout va bien et que je l'ai bien mis, vous êtes sur la page d'achat. Donc, qu'est-ce que c'est la page d'achat? Ben, ça veut dire que c'est la version Voice Mode Pro. Donc, obtenez Voice Mode Pro et créez un maximum de voix. Voilà où on en est. Déjà, ce qu'ils offrent gratuitement, c'est vraiment super. C'est cool de leur part. On pourrait très bien se satisfaire de ça. Mais si on veut aller plus loin, comme moi, on peut acheter ou louer par mois ou par an le logiciel. Donc, ou l'avoir à vie. Moi, je vais l'acheter pour à vie. Hier, il était en promotion à 24 euros, moins 25%. Mais moi, voilà, je vais prendre normal. Donc, la version normale, c'est 32 euros. Moi, je vais l'acheter. Si on peut payer par PayPal, sinon c'est mort, je ne saurais pas l'avoir. Je vais l'acheter. Du coup, normalement, ça devrait être payable par PayPal. PayPal est connu par le monde entier. Ce serait bizarre qu'ils ne proposent pas PayPal. Ce serait une très perte d'achat. Deux secondes, parce que j'ai encore des soucis de... Ah, ça m'énerve. Voilà, excusez-moi. Bon, vous, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, j'ai dû mettre sur pause Audacity pour racler ma gorge. J'ai bu du choco make de chez Aldi à 85 cents, c'est ce que j'achète. Ouh pauvre. Donc bref, après c'est... Enfin voilà. On s'en fout de ma vie. Donc là, la voice box, voilà ce que vous avez en plus. Voice box, on va lire tout ensemble. La voice box complète obtient un accès complet à toutes les voix actuelles. Et je peux vous dire qu'il y en a un bon paquet, il y a du mégaphone, du police et tout, c'est trop fun. Ah, c'est fun à mort. Voix personnalisée. Élève-toi au-dessus des autres et approprie-toi nos voix. Voilà. Donc je pense que c'est ça que Defecator et Gud Horizon Gud, de la chaîne Horizon Gud de Social Net. C'est eux qui ont fait le livre Social Hacking. Par contre, Hacking Social, pardon, je me gourre depuis le début, c'est Hacking Social. Social Hacking ou Social Hacking, ouais, je sais plus. C'est dans un des deux sens, quoi. Donc, Horizon Gul et Defecator officiel, parce qu'il y a mis officiel à côté, mais c'est Defecator, hein. C'est le mec qui fait... Salut, c'est Defecator. Aujourd'hui, nous allons déféquer des choses. Voilà, c'est Defecator. Je l'aime bien, ce Defecator. Bon, alors, du coup, petit big up à eux deux, à Horizon Gud et à Defecator. Coucou à vous, je vous adore. Continuez vos vidéos sympathiques et très divertissants et ça apprend en plus beaucoup de choses. Donc ça enseigne des bonnes choses. Après, peut-être pas tout est correct, mais bon... Moi, je m'en bats un peu les ouf, la quête. Moi, ça me va, je suis pas difficile. Ouh, pauvre. Voilà. Excuse à deux balles. L'excuse universelle, à chaque fois qu'un gars te pose un truc qui casse tout. Ouh, pauvre. Vous avez oublié. Ouh, pauvre. Voilà. C'est rigolo. Alors, Wise Lab. Libérez ta créativité et crée ton propre avatar vocal unique. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop bien, je vais pouvoir mettre un joli rouge chapeau. Oh, quel joli chapeau. Mangez mon chapeau. Mangez-le.
Voilà, un joli wou chouapeau et un petit wou de la secte Tchoum Tchoum Mania Gab the Dog. Voilà, c'est ce que je fous carrément, moi, de ce que c'est très Tchoum Tchoum, tout ça, très Tchoum Tchoum. Et aussi un renard, tout des wou coquins, des wou coquins à 100%. De toute truffe, bien sûr, bien sûr. Ah oui, son board illimité. Donc là, c'est ajouter autant de sons que tu le souhaites à ton soundboard. Bon, j'ai fait une faute, hein. J'ai dit ajouter alors que c'est ajoute. Mais bon, on s'en bat les couilles de ma vie. Organisation. Donc, organisation, hein. Organiser. Organise, pas organiser. Organise tes voix préférées et attribue leur des raccourcis clavier. Bon, là, c'est pas compliqué. C'est, en dessous, comme vous avez vu, en dessous, il y a un truc avec une croix pour ajouter plus de voix en raccourci, mais c'est premium, d'où le fait d'acheter la version premium, sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. D'ailleurs, si vous appuyez pour rajouter, ça va vous mettre automatiquement cette fenêtre où on est en ce moment même. Alors, maintenant, on va passer sur les tarifs. C'est une clé qu'ils vous donneront quand vous envoyez votre mail et que vous payez tout ça par PayPal, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez 7,50€ pour 3 mois, ce qui est pas mal. 12€ pour 1 an, c'est vraiment pas mal du tout pour 1 an, 12€, c'est pas mal du tout. Et enfin, si vous êtes vraiment une personne qui veut avoir tout et avoir une appartenance de tout, qui a une obsession sur ça et que quand vous avez un objet, vous voulez, le seul moyen d'avoir le plaisir de l'utiliser, c'est d'avoir une appartenance à fond, au maximum, de savoir qu'il est à vous. Oui, je parle de moi, là. Ok, je vais voir un psy plus tard. MDR, XVT, ou DRDR. Ah ben, du coup, vous avez la licence à vie, donc c'est à vie, j'ai acheté à vie le truc. Ça coûte, du coup, le double, mais moi, je trouve que, vu tout ce qu'il propose, ça vaut tellement le coup que il n'y a pas de problème. J'y vais, je fonce. Donc, je l'achète... lundi prochain, moi, je vais l'acheter lundi prochain. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Et du coup, voilà, tout ce qu'il y a, j'ai rien d'autre à dire, en fait. Donc voilà, tout ce que vous avez comme choix au niveau des logiciels. On va repasser, si vous voulez, en version clean, pour vous. Alors, voilà, vous avez à peu près tout ce que je vous ai dit. Donc voilà ce que la version premium propose. Pardon, c'est parce que seuls les utilisateurs pro ont accès à labo, devient pro, sont créatifs personnalisés, tes cordes vocales. Ah ok. Donc voilà, c'est ça, c'est bien ça, je présume que l'autre que tu dises. Donc voilà, c'est voice... C'est quoi ça? Ah ok. C'est voice mode quoi. Et du coup, voilà, comme ça, vous savez que ce logiciel est vraiment génial, comme on dit. Et du coup, c'est bien. C'est quoi ça? Oh, ça, c'est marrant, ça. Il y a un truc automatique qui vous, quand vous dites, espèce de... Tu vas mourir, espèce de... Ouais, vous voyez un peu le délire, il y a un bip automatique intégré, et ça, c'est marrant. Donc, ça, c'est en dessous. Quand vous reculez sur l'ancienne vidéo, vous allez voir... Ou je vais remettre le truc normal. Hein. Vous avez un truc en dessous, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était Mister Wu. Portez-vous bien et à bientôt, bande de trucs. En tout cas, j'ai hâte de vous partager des radios, pas des radios libres, mais des radios comme ça, avec cette voix-là, parce que du coup, ça fait très studio, ça fait beaucoup plus propre. Et du coup, ça me va très bien pour moi, tout simplement. Allez, à bientôt, c'était Mister Wu. Bye bye, bande de Wu Coquin. Wu Coquin.